cette strat, c'est moi qui l'ai inventé, là, les double impact corner. Eh ben, je vais te dire que la première personne qui a inventé cette ouverture, désolé mon poulet, mais c'est moi. Et c'est effectivement avec Roux, c'était toujours au même endroit, c'était toujours l'endroit dans lequel j'allais. Bah, tu peux regarder en avril 2016. J'espère que tu crois ma sincérité, parce que étant donné que tu sais très bien que je regarde pas l'e-sport, je l'ai découvert par moi-même, en fait, sincèrement. Donc quelque part, on est des génies tous les deux. Si, on est pareil. Finalement, j'équivaux à gagner une Pro League. Non. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Il y a un spawn kill que tu fais jamais et qui est très sympa. C'est de spawn kill les mecs qui est spawn Junkyard. Avec la fenêtre qui est tout en haut. Ouais, c'est vrai. Laquelle, du coup? Parce que tu me dis, ouais, c'est vrai, mais tu fais... Celle de la grande tour rouge. Bah, Junkyard, côté Junkyard, quoi, du coup. Ouais, et du coup, laquelle? La droite. Celle qui est à droite, pas celle qui donne vers la rue. Celle qui donne côté jardin. Ah, bravo. Bah, c'est justement celle qui donne vers la rue où t'as le spawn kill le plus facile. En fait, bah, tu niques les mecs qui arrivent en rappel, au moment où de l'animation du rappel, de l'autre côté, dans l'alignement de l'éolienne. Et tu peux le faire à droite, mais c'est plus compliqué, pour la simple et bonne raison que t'es obligé d'ouvrir ton angle, et si tu ouvres ton angle, tu t'exposes à quelqu'un qui va te décaler en dessous au niveau de la citerne. Ouais, c'est un peu réfléchi. Ouais. T'as un brain, toi. Ouais, une Pro League surtout. Trop de... Tichas, Narto, Canfrix, tout ça, mise en place, ok? Salut! Salut. Ça va? Ça va et nickel toi? Nickel et toi? Ouais, ça va. La forme. Bah nickel. Voilà. À demain. Bah salut. Allez. Faudrait peut-être que je ferme le live. Ce serait mieux pour pas streamer. Ah non, moi j'ai le live mais je le regarde pas, je suis sur le jeu si je joue. Oh, t'as une petite voix toute mignonne et tout, c'est cool ça, t'as quel âge? J'ai ça. Oh, 14 ans. Ça, je suis jaloux, moi aussi j'aurais aimé avoir un PC à 14 ans. 14 ans, ouais, j'avoue. Je viens de l'avoir, là il y a deux semaines, je l'ai monté. Ah ouais, donc c'est la première fois que tu joues à RC sur PC? Ben non, PC oui, c'est fait que deux semaines que je joue. D'accord. C'est parti. Ouh. On a dit qu'on allait sur qui? On a dit qu'on allait sur FMX. Hop là, plutôt par là. Elle va être trop courte celle-là. On note. Ça renforce, ok, ça balance une petite cam à l'extérieur, ok, et ça va les regarder. Oh, j'ai été mes 10 ans. De haut niveau du bus. Il faut m'aider à VIP, hein. Ça me joue. Hein. Ça me joue à mort là. Si tu veux. Ah, mais The Mary qui fait le premier kill. Oh, je vois pas pourquoi. Oh là là là, le face check là. Là t'es mort 1000 fois là. 1000 fois s'il y avait une ligne de l'autre côté là-bas. 1000 fois. Ça fait rien du côté de l'attaque là. Ah. Ah. Ah, dommage de pas avoir fait un truc un peu avant quoi. On n'a pas vu le move de la Valkyrie. En revanche, pourquoi j'ai switché? Ça a switché tout seul. Caméra de Valkyrie, je sais pas si elle était envoyée à l'FTF exprès. Donnons une note à la Valkyrie, les amis. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé de ce style de gameplay de la Valkyrie? Vous avez mis une note plutôt entre 6 et 7, 5, 6, 7, moi j'ai tranché, j'ai mis 6. Pourquoi? Parce que le face check là d'aller se mettre là où il fait là, c'est un peu bizarre son move quand même. Attention, voilà, on vérifie. La fenêtre surtout, de l'autre côté là, autrement t'es mort. Hein. Ça va mettre la petite clé mort pour le poteau, ok. Et d'ailleurs on fait attention, on va droner, voilà. Là t'es dans un coin où tu peux droner. Là tu peux être mort à peu près 10 fois. Butez-moi cet hélicoptère là, please. Putain, le bruit est horrible. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de le balancer pour nickel mute à l'intérieur? Ce qui est pas con. En revanche, qu'est-ce que ça fait sur le bomb site? Ah, tu l'as vu. Non. Tu l'as vu, tu l'as entendu. Et t'as vu les traits blancs, forcément.
Oh là 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 là, ça manque de aim hein, pour French Monster hein. French Monster peut-être sur des jeux de merde comme Fortnite hein, peut-être hein, mais French Monster pas sur Rainbow Six hein. Ah c'est propre ça. Ah c'est propre ça Frencho. French. Il a vu. Oh là là. Note, please. Il y avait des erreurs, on a pris un peu de temps, j'ai cru qu'il allait mettre la clé mort. Il a joué en mode support. Il y avait une volonté de décaler parce qu'il y avait le mute qui le faisait chier, etc. Donc on n'a pas vu ce que ça donnait avec le gadget. Mais derrière, il a pris ses responsabilités. Et quelques petites erreurs qui lui coûteront très cher parfois d'ouvrir une porte et de faire attention qu'il n'y ait pas un mec qui décale au moment où il ouvre la porte. Mais au niveau du aim et d'avoir compris tout de suite, même s'il aurait pu droner quand même un peu à droite, hein, pour être sûr qu'il n'y avait personne qui descendait l'escalier ou qui arrivait en bas du couloir, il a compris tout de suite que le mec, en fait, en faisant la castle en face de lui, a créé une safe zone. C'est con de mettre une castle à cet endroit-là. Le castle a fait vraiment de la merde. Donc du coup. Ouais, allez, une note encourageante. Vous avez mis entre 7 et 8, et plutôt 8, je mets 7,5. Let's go. On va aller sur Iron Man Wildy, voyez-vous. Ok, la prise d'information, elle est bonne. Attention quand même, tu te fasses pas décaler. Attention à cette ligne-là, si le mec avait la ligne, voilà. Et aucune prise de l'escaest. N'oubliez pas ça sur Border les mecs, prenez l'escaest, il est extrêmement important pour plein de raisons, prenez-le. Il n'est pas si difficile que ça à prendre, le défenseur va lâcher au bout d'un moment hein, de toute façon. Mais prenez-le et après vous avez les possibilités de rotation. Et couper les possibilités de rotation, c'est se faire des free kills, ok? C'est se faire des free kills. Et là on se touche quoi, on a Jackal, ah quand même. Parfait. Voilà, parfait. Allez, va se barrer à la porte. Ah, le trigger control. C'est propre. C'est propre ça, ça c'est très propre. C'est allé assez vite, on a pris son temps, etc. J'aurais voulu voir une prise de l'escaest, mais c'est pas vraiment un truc individuel. C'est pas plus à lui de le faire qu'à une autre. Il y est allé, pour le coup. Il a give up les petits trous en face de lui. Il est revenu. Et derrière, on va aller s'occuper de la CCTV en utilisant le Jackal en version zoomée pour essayer d'aller choper un point. C'était pas mal. Au niveau du aim, en plus, c'est relativement correct. Ok. Combien avez mis entre 7. Décidément, ce soir, les mecs. Je crois qu'on est. On est bon. Les mecs et les meufs. Hein. Ça lingue un peu là du côté de. T'as entendu le drone à ta droite? Il a 1600 de ping, c'est un peu compliqué. En plus, tu live jamais, mec. Oh là là! Moins 1 pour le lag. Sinon, Castle, qu'en avez-vous pensé? On voit quand même bien du niveau. Alors, du coup, la note, vous avez mis 8. J'ai mis 6,5. En fait, 7,5, moins 1, pour les raisons que j'ai données. Fais-tu partie des 80% de joueurs à qui j'ai envie de mettre des baffes qui perdent tout leur drone pour faire de la merde? Non? Ça m'a l'air pas mal. As-tu compris qu'il y avait un mute sûrement à côté de ce passage à drone et que si tu avançais de plus de 60 cm, tu vas perdre ton drone? Pour le moment, tout est correct. Lui, il est pas fini. Tout ça pour ça? Fais gaffe, fais pas de la merde. Donc t'as envie que tes potes voltent. T'as envie que tes potes voltent de en diagonale. C'est pas mal ça. Le Preciot, il pensait que le Kaïd allait suivre à gauche. Oui, il s'était déjà fait down tout de suite. C'est pas mal joué. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est un vrai support là. Pour le coup, c'est un vrai support. Étant un support, j'adore les supports. Ouais, 10 secondes, 13 secondes pour faire un truc, les gars. Vous allez pas quand même pas perdre cette attaque. Ah non, 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 là c'est pas bon ça. Non, 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 les gars, c'était win ça. C'était win, les gars. C'était tellement win que c'est perdu. GG, well played. C'était un vrai support et c'était très bien.
Mais sur le late game, même un support doit savoir faire des kills, quoi. Doit savoir à un moment aller faire des kills si ça commence à être la merde. Oh, pile entre 6 et 7 pour le coup. Ouais, vraiment, on est bien. Un peu de 5 quand même. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes d'accord pour les éléments que nous avons dit. Et c'en est fini du premier teach-out.